Allez, c'est parti pour ce petit débat fac. Le son a l'air bon, ce qui est bien. C'est parti. Bloquer complètement ce truc, qu'il soit tendu comme ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. J'espère que tout se passe bien pour vous. Dites-moi de quoi on va parler. De l'OM, j'imagine. J'ai fait un petit truc sympa là. J'ai écouté l'after en podcast en allant faire du sport tout à l'heure. Et ils ont fait un petit peu le Panthéon. Il y a Daniel Riolo qui balançait son Panthéon des joueurs préférés, pas forcément de l'OM. J'ai balancé ça un peu sur Twitter. J'ai vu que ça plaisait pas mal. Alors j'ai fait mon petit Panthéon, comme ça je vous le donne. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, salut le président des Lapins, salut Chris, votre Panthéon, des 5 joueurs qui vous ont le plus marqué, qui vous ont fait le plus rêver. Alors, que je dise pas de bêtises, hein, mais j'avais marqué Waddle, forcément, c'est celui qui m'a fait aimer le football. Franchement, Chris Waddle, moi c'était vraiment mon idole. C'est vraiment lui qui m'a fait kiffer l'OM, qui m'a fait kiffer le foot même en général. Zidane, et ouais Zidane quand même, à l'époque où j'adorais l'équipe de France. Bergkamp, franchement, quel joueur. Fan Maradona parce que le joueur, la folie, le football à l'état pur. Et Romario, joueur que j'ai adoré au Barça. Voilà, voilà c'est mon panthéon, ces 5 joueurs-là. Alors donnez-moi les vôtres, c'est toujours rigolo, on peut en débattre. Salut Kikto, salut Ced, bienvenue. Bon après-midi, ouais. Voilà, donc Romario, moi j'ai trop adoré avec le Brésil. Maradona, Zidane, bon ça c'est quand même des grands classiques. Et Waddle et Bergkamp, deux joueurs avec un toucher de balle un peu particulier. Donc ça, on est obligé de parler de choses un petit peu comme ça, parce que l'actu de l'OM c'est un peu mort. Il n'y a pas encore de match pour les internationaux. Il y a l'Audi qui jouera dans la nuit de vendredi à samedi, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Coupe du Monde de rugby demain. Bon, ça n'a rien à voir avec l'OM, mais ça c'est perso. Salut à Doublez qui est avec nous aussi. Encore de la pub, déjà de la pub. Chris, toi tu dis Drogba, Pirlo, Ronaldinho et je m'arrête à 3. Bah, c'est original, t'as le droit, t'as le droit. C'est vrai que Drogba, énorme joueur. Un petit peu frustrant d'être resté qu'un an à l'OM. Pirlo, c'est vrai que c'était aussi super joueur. Ronaldinho, j'ai du mal parce qu'il est passé par Paris et qu'il nous avait fait mal. Mais joueur exceptionnel avec le Barça. Taxolo a pris un abonnement niveau 1. C'est son 37e mois d'abonnement. Taxolo, c'est fidèle parmi les fidèles. C'est la famille. Grand merci à toi, Taxolo. Et bonjour à toi. Un grand merci. Merci de ta fidélité. En tout cas, ça fait plaisir. Ikikto, tu me dis Waddle. Il avait toujours le sourire. Il ne faisait jamais la tête. Ouais, c'est ça, le sourire. Toujours en train de déconner. Moi, c'était ce. J'ai kiffé ça. Ça, c'est mon joueur. C'est mon joueur préféré, Waddle. J'ai tellement kiffé à l'OM. Sa folie. Sa façon de faire le con sur le terrain. Et en même temps, d'être un joueur exceptionnel. Ouais. Président des Lapins, tu dis Zizou, Papin, Platini, Pelé, il t'en manque un. Tu fais très. Tu as quand même pas mal de Français. Pelé, ouais. Pelé, bon, moi j'étais trop petit. J'ai pas suffisamment vu jouer, donc ça m'a pas fait rêver directement. Waddle, je l'ai vu jouer. C'était mes premiers matchs que je pouvais regarder à la télé. Waddle, ça m'a fait rêver. Maradona, ça a été sur la longueur, parce que je me souviens quand j'étais petit, on en parlait beaucoup. Et après, je l'ai quand même vu jouer en grandissant. Après, il y a eu toutes ces histoires, etc. Platini, oui, c'était un super joueur. Pareil, je suis peut-être un peu trop jeune. Je l'ai pas bien vu, quoi. Manuel, toi, tu Bocandé, Hasanovic, Hugo Sanchez, Batistuta, Maradona, Caniggia. Wow, tu fais vraiment dans l'Argentin, hein. Ah, Batistuta, c'était quelque chose aussi. J'avoue, le Batistuta de Fiorentina. Gros Judas, salut à toi. Chris, allez, pour en faire 5, je rajoute deux Marseillais, Van Buyten et Sana. Oui, c'est vrai.
Sana, j'étais bien fan aussi. Mais tu vois, dans le choix, j'ai pris vraiment les joueurs qui m'ont. Ah ouais, après, ça se discute, hein, parce que Sana, c'était pas forcément la finesse de jeu, mais ce côté leader, chien fou, ce chien de la casse au milieu de terrain, c'était quand même exceptionnel. Salut Echo, bienvenue à toi. Ced, Waddle, Zidane, Ronaldo, le vrai. Ronaldinho. T'en as deux? Tiens, je sais pas où est-ce qu'il est le deuxième. Taxolo, toi tu fais vraiment du Marseillais au Marseillais. Taiwo Diawara, Mbia Ainsu, tu fais la défense quoi. Je sais pas c'est quoi la question. Voilà, ma défense. Non, c'était les 5 joueurs au Panthéon, les 5 joueurs qui t'ont fait vraiment le plus rêver. C'est Daniel Riolo qui fait ça hier dans l'after, je trouvais ça plutôt sympa. Les 5 joueurs qui t'ont fait, ouais, qui t'ont fait kiffer, pas forcément que de l'OM, mais qui t'ont fait kiffer en général. Que tu as vu jouer, que ce soit à la télé ou au stade, et qui t'ont fait aimer le foot, quoi. Gros Judas, tu dis sur une saison, Lassana Diarra, c'était fou. C'est vrai que c'est pas mal avec ton surnom, ton pseudo en plus, Lassana Diarra. C'est vrai qu'il était très très fort, mais j'ai du mal avec le personnage et l'attitude. Mikey, toi, Ronaldo, le vrai. Zidane. Iniesta, ouais, c'est vrai qu'Iniesta, moi aussi, j'avoue, il m'a quand même bien fait rêver. Messi, Ronaldinho. Eh ouais, mais bon, j'ai toujours du mal. Même Messi, il m'a gâché sa fin de carrière en allant au PSG, quoi. Écoute, tu dis, moi, j'avais beaucoup aimé Meriem, Celestini et Chapuis. Putain, Chapuis, je sais pas où t'es allé chercher ça, Écoute. Furia Loco, tu dis, bonjour Nico, depuis le départ de Sanchez, de Guendouzi, voire de Payet, il n'y a plus de leader dans cette équipe. Plus de gueulard. Gigot, Rongier, Veretout ne prennent pas le relais. Peut-être qu'on doit bien. On a une équipe de gentils qui se laissent mener. On n'a plus de meneur. Va falloir que ça soit nous en tribune qui les réveillons ou quoi. Mais écoute, Furia Loco, c'est vraiment un débat qu'on a eu déjà dans Débat Foot Marseille. J'en parlais même encore ce matin avec Ben au téléphone. C'est vrai que là, ils ont viré tous les mecs avec un peu de leadership ou de ce côté un peu leader, ouais, comme tu dis, c'est des leaders, des mecs qui secouent un peu l'équipe quand ça va pas. Parce que quand tout va bien, ça file, hein. Rongier, ça va très bien. Mais que ce soit Rongier ou Gigot, c'est des mecs qui peuvent s'envoyer sur un terrain. Moi, je remets pas ça en question, c'est des joueurs que j'adore. Mais j'ai l'impression que c'est des gentils joueurs quand même. C'est un peu sage tout ça. Quand ça va pas, faut pas être gentil, quoi. Est-ce qu'ils sont suffisamment méchants pour secouer, investir quand ça va pas? On peut avoir des doutes, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on a un peu découpé toutes les têtes qui dépassaient. Est-ce que c'est un choix délibéré d'avoir un effectif plus sage, à l'image du coach Marcelino, qui a l'air assez sage aussi? On verra, je laisse encore un peu de temps à cette équipe, faut pas quand même aller trop vite, mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur ce côté un peu gentil, gentil joueur, comme on s'amuse toujours à dire sur Football Club de Marseille. Solo, ah donc t'as capté le truc initial. Waddle, Bebeto, Romario, Del Piero, Zidane. Bon, on en a 3 en commun quand même sur 5, c'est pas mal. Bebeto, ouais, j'aimais moins que Romario quand même. Del Piero, ouais, moi j'ai jamais été trop fan, même si je reconnais que c'était un super joueur, plus vers Camp. Mais bon, on est globalement sur la même longueur d'onde quand même. Salut Lauriade, bienvenue. Bakary Koné, on en parle peu. Mais il a été marquant à l'époque avec Niang. Ah, le petit Baki Koné. Ouais, à l'époque Gerrit, c'était sympa. Après, marquant, j'irai pas jusque-là, moi. Van Buyten, Iniesta, Drogba. Van Buyten, ouais, il vous a marqué. Ouais, moi j'aimais bien aussi, mais à ce point-là. Ouais, je serais plus comme référi. Moser, j'ai hésité à le mettre. Dimeco, Djendjian, je suis trop jeune. Papin, oui, Papin, j'ai bien aimé aussi. Mais bon, le côté final passé à Milan, ça m'avait un peu cassé le truc. Platini, j'ai pas vu jouer. Je suis trop jeune. Veretout, trop gentil. Oh, bah, clair, pour moi, Gros Judas, c'est l'exemple type du bon joueur, mais gentil joueur, quoi. Trop gentil, trop lisse, trop pas de risque, quoi. Iquito, Waddle, Papin, Chifo. Ah ouais, Chifo, j'avais oublié. Boly, Messi, Cantona. C'est trop dur. Ouais, je sais que c'est dur. C'est pour ça que c'est rigolo. Cantona, ouais, j'aime bien aussi. Putain, Manchester, il m'a bien fait kiffer quand même. Marseille, c'était trop le bordel, c'était pas fait pour lui. Enfin, c'est lui qui foutait le bordel. Totti me fait kiffer aussi. Chris, fidèle à son club, à l'AS Roma, ça c'est beau aussi.
J'ai vu le journaliste grec. Ouais, j'ai vu passer ça. Bon, après, je vais me méfier, quoi. Je vais me méfier avec toutes ces histoires. Moi, j'y crois plus trop. Et on a eu trop de saucisses maintenant. Faudra vraiment que ça soit vraiment avéré pour que je croie à quoi que ce soit. Pour moi, c'est la merguez grecque pour l'instant. Salut Lierche, bienvenue à toi. Ced, tu me dis Drogba, Pirlo. Ouais. Chris, dans notre style, Cassano. Autant de talent et de folie dans un seul corps. Ouais, mais est-ce qu'il a eu la carrière aussi qui allait avec? On peut se poser la question. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui t'a fait kiffer. Donc c'était un peu ça le thème, quoi. Bakayoko Kone, Bakimousse. Il était blessé de longue. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu fragile. Mon Zizou, oui, Kikto, ouais, Zidane, c'est la base quand même. Si notre ami Ryan, qui est en vacances, était là, il mettrait Nasri d'office. Nasri Zidane, je pense que ce serait la base. Après, je sais pas qui, il mettrait des mecs d'Arsenal, peut-être Henry. Donc, ouais, ça serait rigolo. On lui posera la question quand il reviendra de vacances. Lauria, tu dis, j'étais fan de la Juve petit. Donc Baggio, Zizou, Viali, Del Piero, etc. Ah bah oui, bah alors là c'est sûr que c'est l'équipe quoi. Sidorf pour ses frappes de fou. Ouais, ils sont ses grosses fesses. Il prenait trop de la place. Ouais, mais Sidorf, intéressant hein, quand même, super joueur. La triplette, Niang Ribéry, Nasri, c'était fluide, c'est vrai. Ça rappelle des bons souvenirs. Lierch, on donne tous ces noms parce qu'en fait, c'était dans l'after hier. Riolo a fait le panthéon des 5 joueurs qui lui ont fait kiffer le football. Et voilà, donc on fait un peu pareil, on fait le panthéon des 5 joueurs qui nous ont fait aimer le football, pas forcément des joueurs qui ont joué à l'OM, les 5 joueurs qui nous font aimer ce sport. Et ça peut, c'est pas forcément des stars, forcément les stars ça marque. Et moi je disais, mon panthéon c'était Zidane Maradona de base, avec Romario, Bergkamp et Waddle, mon idole absolue, Waddle. Donc ouais, il y a des stars mais pas que. Quoiqu'il y a beaucoup de stars quand même. Manuel dit personne n'a parlé de Payet. Et ouais, mais Payet, moi j'aimais déjà beaucoup le football. Je pense que ça touche un peu quand on est un peu plus jeune, je pense. Quand on est ado, jeune adulte. Juninho, Henry, Eto'o. Ced, Juninho, faut aller oser. Non, mais c'est vrai que c'était un super joueur. Il a joué dans un mauvais club, mais c'est un super joueur. Nasri Zidane Niang, le grand Kanto, à Kanto à Manchester United. J'avais fait un stage de BTS à côté de Manchester. Il venait juste d'arrêter Kanto, mais enfin, il avait arrêté depuis quelques années. Il avait laissé un souvenir de fou, quoi. C'est trop récent, Payet. Ouais, je suis d'accord avec toi, Chris. Rivaldo, Eto'o, Forlan, Agüero, Van Basten, Waddle. Ouais. C'est vrai qu'il y a du joueur là. Agüero, ouais, pas mal aussi. Forlan, joueur un peu atypique aussi. Vu que certains balancent des Koné et des Chapuis, gros coup de cœur pour Pagis. C'est vrai. Mais qui Pagis, ça peut être un joueur qui te fait kiffer le football. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le type de joueur qui n'a pas forcément fait une carrière exceptionnelle. Mais c'est un joueur qui te faisait, qui donnait envie d'aller au stade. Donc oui. Zidane, Van Persie, Kaka, Puyol, Forlan. Ouais, Kaka, moi je reconnais que c'était un technicien hors pair, il faisait de super trucs, mais j'ai jamais trop accroché à ce joueur, je sais pas pourquoi. Ça, c'est des trucs, c'est vraiment des ressentis. Quand il marque et qu'il relève son col après le but. Ouais. Eh oui, c'est des vieux souvenirs, ça. Ouais, heureusement qu'on a ça, hein, parce que finalement, sur l'OM, on n'aurait pas 10 millions de trucs à dire. Mon top à moi, c'est Ronaldo, Overmars. Ah, Overmars, quelle vitesse. L'attaquant de Valence. Je sais pas, je me souviens plus écho. Chris, tu me dis, Pagis, je kiffais, il avait la classe. Ouais, c'était la classe, c'était vraiment la classe. Roberto Carlos, Overmars, Essien, Iniesta, Totti, pour Taxolo. Ouais, tu me fais la deuxième liste, là. Là, c'est le Panthéon bis. Les 5, c'est Maldini, Nesta, Yaya Touré, Pirlo, Buffon. Ah, Yaya Touré, il y a eu des moments où il a été quand même monstrueux, c'est vrai. Niang, Ribéry, Pagis, Sana et Zidane. Là, on reste sur beaucoup du bon joueur de l'OM, quand même. Ou du Marseillais, pour Zidane. Romario Kanto, c'était beau. Ah, moi, Romario, j'étais totalement fan. C'est vraiment l'attaquant. C'était un tueur, quoi. Pour moi, il aurait pu faire une plus grande carrière encore, quoi. C'était vraiment
un tueur, Romario, oh, devant le but, c'était incroyable. L'agilité, la précision, très grand fan. Gaja qui dit, moi, c'est pas les 5 joueurs, mais plutôt l'équipe de Nantes avec Pedros, Loco, Wedek, Carambeu, avec le style du jeu de Ciodo. C'est vrai, c'était une belle époque, ça aussi, ça jouait vraiment bien au ballon. J'avoue que c'était beau. Après, on peut faire un délire. Les 5 joueurs, vous mettriez au Panthéon des 5 joueurs que vous avez le plus détesté. Ça peut être marrant aussi. Les cinq joueurs de foot qui, à chaque fois, bah forcément, soit ils ont joué à l'OM et vous les avez détestés parce qu'ils étaient bidons, soit ils ont joué dans d'autres équipes et c'était des mecs, soit ils étaient trop forts, c'était écœurant, ou alors ils étaient tellement violents, ils décalquaient tout le monde, que ça, c'est, ou ils avaient des têtes pas très sympa, pour rester poli. Ouais, ça peut être rigolo à faire aussi. Est-ce que tu mets. Est-ce que tu, justement, tu les mets dans les. Eto'o, super joueur. Rapace. Roten, Fiorez, Guérin. Ah, ça y est, on va sortir toute la liste du PSG là. Ouais, belle enflure, il paraît, Romario. Oui, ça n'a pas l'air d'être un. D'être un mec si gentil que ça. Je parlais que du joueur. Hein. Angelo, toi tu recentres un peu sur l'OM. On est d'accord qu'on y reste. Si on fait confiance au président Longoria, il reste et il partira pas. Il y a encore du mercato qui est un peu ouvert là. Il y a encore des championnats ouverts, mais a priori il bougera pas. Poetic Lover, toi c'est plutôt la moitié des joueurs argentins, c'est ceux que tu kiffes ou tu kiffes pas. Chris, les joueurs que t'as détestés, Mitroglou, Brandao, petite obsession. Ced, je pense que c'est les joueurs que tu as kiffé. Maldini, Papin, Niang Ribéry, Iquito, Ronaldinho contre l'OM. Ouais, c'est vrai, moi aussi, il m'a fait pleurer, mais pas de joie, quoi. Dans la sélection débouchée, les Argentins. Ah, ok. C'est vrai qu'il y a eu des Argentins particulièrement découpeurs de joueurs. Mitroglou, viré par son club division 6 allemande. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Le mec, il a l'air quand même assez chelou, hein. Taibo mérite pas, il a quand même fait de très gros matchs. Non, Taibo, c'était un joueur sympa. Jiménez. Ah, l'attaquant. Jiménez, Mendoza, le duo magique. Flop 5, Romario, Coman, Vata, Olmeta, Keane. Ah, Olmeta, j'aimais bien quand il était à l'OM quand même. Ah, Keane, c'était un sacré enfoiré, ouais. Piqué, Lopez, je déteste. C'est vrai que Lopez. Je peux le mettre dans mon top 5. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Je crois que Lopez, je peux le mettre. Francis Liasser, je le mets d'office. Horrible. Mauvais et sale esprit. C'est que je pourrais mettre d'autres joueurs que je détestais. Van Bommel. Non, c'est ça. Van Bommel. Oh là là, lui, il m'énervait particulièrement aussi. C'est une garce. Hein. Après, ça veut pas dire que c'est mauvais joueur. Hein. Mais Van Bommel, je crois que je peux le mettre. Qui c'est qu'on pourrait mettre comme joueur que j'ai vraiment pas aimé, que j'ai détesté? Bah, Neymar PSG, franchement, je peux le mettre aussi. Neymar au PSG, mais juste horrible. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que j'ai qui m'ont rendu fou, que j'ai vraiment pas aimé? Il y en a eu quand même. Comme ça me vient moins, mais. Je crois que j'ai pas du tout aimé Figo quand il joue au Real. C'est un traître. Ouais, Paredes, mais ça n'a pas assez marqué pour moi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une garce aussi. Ouais, Maguire, mais bon, moi il me fait plus de peine qu'autre chose, tellement il est mauvais. Oui, je suis d'accord avec toi, Manuel. Figo, c'était un super joueur, mais c'était le côté très triste, quoi. Après, ouais, je sais pas quel joueur. Stoïkov, le Bulgare, ça s'écrit sûrement pas comme ça, mais il faisait peur, j'étais très jeune. Ouais, il était très fort, mais c'est vrai qu'il faisait un peu flipper. Lierche, toi, pour les 5 pires, tu mets Rivaldo, trop comédien, De Jong, ouais, De Jong, c'est vrai que c'était un violent aussi. Mitroglou, Deco, ah, t'aimais pas Deco, c'est vrai que Deco, je suis pas non plus hyper fan. Materazzi, eh ben oui, Materazzi, le méchant quand même. C'est vrai que c'est le méchant ultime pour les Français. J'avais du mal avec Paoletta. Je sais pas pourquoi. Alors j'avoue, Cazorla, que Paoletta, super joueur, rien à dire, mais putain, qu'est-ce qu'il nous a fait mal. J'étais allé voir un match au parc,
où ils avaient, je crois que c'est Batless qui avait égalisé, c'est Paoletta qui donne la victoire. Il m'avait fait mal, Paoletta. Ouais, Paoletta, il m'avait fait mal. Lauriat, tu mets Lopez, Roten, Neymar, Aurier. Bon, très très parisien tout ça. Hein. Oh, même pas. Ah oui, t'as mis Lopez quand même, le gagnant. C'est vrai. Comment il s'appelait l'ancien capitaine là? Le milieu de terrain là, qui a fait une carrière toute pourrie là. Milieu défensif de Lyon là. Ah, oh, j'ai oublié son nom. C'est ça, but de Barthez. Oh là là, celui-là il est horrible, Cazorla. Cyril Roll, non, sympa, moi j'aimais bien. Mais c'était un boucher. J'aimais pas trop Landreau aussi comme gardien. J'aimais pas son attitude. Ah, Gascogne, c'était un fou furieux. Gonalon, voilà, merci Gaffion, c'est ça. Gonalon, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a rendu ouf, j'aimais pas lui. Domenech, ouais, bon, on l'a pas trop vu jouer, enfin moi je l'ai pas trop vu jouer perso. Mais c'est clair, on peut faire les entraîneurs aussi. Hein. Top 5, ah, tiens, bon, je pense qu'on va se faire, en fait, on va se faire un débat fac que là-dessus, on se fait un délire. Top 5 entraîneurs et flop 5 entraîneurs. Mais pas que l'OM, hein, en général. Bah, top 5 entraîneurs, d'office, j'en mets deux de l'OM. Je mets Bielsa, Gareth, direct. J'ai pas envie de mettre que de l'OM, donc je pourrais mettre Gueutals, mais c'est trop facile. Gareth, Bielsa, ça c'est clair. Guardiola, je suis obligé. Manuel, tu mets Bielsa, Bielsa, Bielsa. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Mais Bielsa, Guardiola, Gareth, ça fait une bonne base. Siodo, c'est vrai que c'est pas mal, Siodo. Ferguson, ouais, franchement, Gazza, t'es bon. Ouais, je suis pas loin de penser comme toi. Dans le top 5, Zidane, au Real, t'es obligé. Ah ouais, moi je l'ai mis hein, dans mon top 5. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, mon top 5 des joueurs. Hein, parce que là, on est passé sur les entraîneurs, mais des joueurs, c'est. J'ai mis Zidane, Maradona, pour les connus, pour les plus connus. Romario, Bergkamp et Weidel. Ouais, après, quand je dis flop, c'est vraiment les. Pas que les mecs à l'OM qui ont été mauvais. Parce que là, tu me mets Clémenté, Michel, Braga. Dans les entraîneurs vraiment pourris, je te prendrais Michel quand même. Parce que là, c'était vraiment l'arnaque 2000. Le mec, il faisait de la pub pour les dentifrices, mais c'est tout, quoi. Ah, donc top 5, Zidane. Ouais, c'est vrai, il a été bon. Mais après. Je vois moins la patte Zidane, tu vois, qu'un Guardiola, par exemple. Il y a eu des résultats exceptionnels. Il a réussi à mener une équipe comme ça, je suis d'accord avec toi, mais je le mettrai pas, moi, forcément, dans mon top 5 des entraîneurs. Qui c'est qu'on peut mettre comme entraîneur encore? Dans le top 5, j'ai pas fini, moi. Qui c'est? Klopp, ouais, je mets Klopp quand même. Il faut les entraîneurs un peu de maintenant, là. Klopp, il a fait quand même du sacré taf. Après, c'est dur. Hein. Ferguson, ouais, Ferguson, super entraîneur, manager quoi. Caps, toi tu mets Gueutals, Gareth, Deschamps, Sacchi, Guardiola. Putain, comment tu peux mettre Deschamps dans cette liste, quoi? J'ai envie de te dire, en termes de jeu, hein, je parle. En termes de résultats, Deschamps, pour rien dire. Angelo, toi tu mets Deschamps, Ferguson, Mourinho, Guardiola, Ancelotti. Là, c'est Là, je comprends. Mais Mourinho, Deschamps, c'est la gagne. Ok. Guardiola, le jeu. Ancelotti, la classe. Ferguson, la gagne aussi. Giroud, sacré taf. Ah, c'était un autre style. Lire, toi, tu mets Ancelotti, Ferguson, Mourinho, Le Guen, Wenger. Ça, c'est quoi? C'est les coachs que tu. Ah, le top 5. Tu mets Le Guen dans le top 5? Oh, c'est une blague. Oh non! C'est pas possible. Dans le flop 5, alors attends, Rapace, toi tu mets Villas-Boas, Bielsa, Guardiola, Wenger, Deschamps, yes. Moi bon, il y a des joueurs, Wenger, je peux pas, même si elle fait du bon taf à Arsenal. Et dans le flop 5, les pires, Domenech, ouais, Domenech d'office, moi je le mets direct, Domenech, dans les flops. Fernandez, Mitchell, Clément, Troussier,
pour les pires entraîneurs. Franchement, ouais, Domenech Mitchell, on est d'accord. Elie Bop. Ah, Elie Bop, vous êtes méchant. C'est moi, c'est gentil, gentil entraîneur, mais tu peux pas le mettre dans les pires quand même. Mourinho, Gareth, Ancelotti, Deschamps, Ferguson. Deschamps, je le mets pour les titres. Car même si j'aime pas le jeu de ces équipes, faut reconnaître que ça gagne. Ah, Caps, ça on peut pas lui enlever, ça gagne. Après moi, Deschamps, pour toute son œuvre, entre toutes les histoires qu'il a réussi à faire oublier, et son côté un peu très réseau, etc. Moi, j'ai trop de mal avec Deschamps. Et quand je vois comment il fait jouer l'équipe de France alors que t'as quand même du talent, non, moi, Deschamps, on y est. Même l'année où t'es champion avec Marseille, je lui dis merci parce que ça faisait du bien de gagner un titre, mais le jeu, pourra. Rudy Garcia, oui. Rudy Garcia, je le mets. Je peux le mettre dans mon flop 5. Mais c'est pas lucide parce que il a quand même des qualités d'entraîneur. Faut être honnête. Mais il est tellement exécrable en termes de communication, de foutage de gueule, que c'est un peu une arnaque, quoi. Ouais, non, j'oublie pas l'Hirsch, mais bon, Le Guen, ouais, faut arrêter, quoi. Moi, je dis pas que c'était une cata, mais de la dire un top 5 des coachs qui t'ont fait rêver, tu vois, je le mettrai jamais de la vie, quoi. Les coachs qui m'ont fait rêver, c'est Guardiola, c'est Gareth quand il est passé à Marseille. Bielsa, j'en parle pas, ça a été génial. Voilà, Klopp, il m'a fait kiffer avec Liverpool. Ouais, ça, c'est des coachs qui m'ont fait rêver, quoi. Le but, c'est pas que les résultats, quoi, etc. C'est les coachs qui t'ont fait aimer le football. C'est ça le thème. Et il y a des coachs qui te font détester le football, comme Domenech. Angelo, tu mets Antonetti, Pirlo, Coman, Mitchell. Putain, Pirlo, le pauvre, il a pas vraiment entraîné encore. Il s'est juste banané à la Juve. Gothals, ouais. Deschamps, Guardiola, Klopp, Zidane, Gallardo pour le top 5. Pour Iquito. Friuloco, tu dis des entraîneurs à poigne surtout. Ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas l'air d'être Marcelino. Ouais, après c'est chacun ce qu'il ressent quoi. Après tu vois. LBC, toi tu dis je retourne sur le joueur que je déteste, Otamendi, surtout Coupe du Monde 2018. Quelle merde ce type avec sa mentalité d'Argentin alors qu'il est pas mauvais. Ouais, mais ça c'est des ressentis, c'est ça que j'aime. C'est ça le but de ce délire. C'est vraiment le ressenti perso. Là. Un joueur que t'as détesté parce que il t'a éliminé ou il t'a cassé des joueurs, ce genre de truc, quoi. Taxolo, Roger Lemaire, Domenech, Santini m'ont gonflé du foot et de la sélection nationale. Pff, totalement d'accord avec toi. Oh, mon Dieu, qu'ils ont été horribles ces sélectionneurs. Lemaire, Domenech, Santini, oh là là là. Mais rien que de dire leur nom, j'ai envie d'aller faire la sieste. Marseille 9, tu dis Michel Hidalgo m'a fait aimer le foot. Ouais, complètement d'accord. Ça, c'est clair. Moi aussi, Michel Hidalgo, légende. Après, j'étais un peu jeune, mais j'ai revu toutes les histoires. Puis bon, je commençais à regarder le foot quand il était à l'OM. Mais tout ce qu'il avait fait avec l'équipe de France, ça, c'est magique, quoi. Klopp, ouais, Klopp, moi, il m'a fait kiffer avec Liverpool. Flop 5, Domenech. Ah, tu mets Deschamps, toi, dans le flop 5, Eco, carrément. Je le mettrai pas dans les flops non plus. Hein. Troussier, Luis Fernandez. Ah, Fernandez, vous êtes dur, les gars. Moi, le joueur exécrable que j'adorais, c'est Luis Suarez. Ouais, moi aussi, j'aimais bien. Mais exécrable, je suis d'accord avec toi. Mordeur d'oreille, je sors la frappe de la main, le pénalty est pas marqué en Coupe du Monde. Ouais, franchement, Luis Suarez. Oh, oui, mais j'aimais bien, moi aussi. Ouais, c'est peut-être parce qu'il joue au Barça aussi. Hein. Dans le style Romero, l'Argentin, je peux pas le voir tellement il est vicieux. Ça, j'aime bien ces histoires. Je m'en rappelle du tir de sac à merde de Canto sur Henri Michel, putain, magique. Comme quoi, les Michel en coach, c'est pas fou. Hein. En vrai, Thierry Henry, c'est un flop. Comme entraîneur, tu parles, Angelo? Oui, rapace. Les pires, Sagnol, Nagelsmann, Van Gaal, Domenech, Puel. Franchement, Master, t'es un peu dur, parce que tu vois, Sagnol, il fait du bon taf là, avec la Géorgie. C'est vrai qu'avant c'était pas ouf. Nagelsmann, arrête, ok, ça s'est mal terminé au Bayern, mais avant ça, c'est un jeune coach, il n'a pas fini sa carrière. C'est un peu dur. Van Gaal, il a fait aussi des bons trucs, même si là il est cramoisi. Domenech, je peux être d'accord. Domenech, oui, Domenech, c'est un carnage quand même. Top coach, Lippi, Capello, Guardiola, Klopp, Zidane. On est sur de l'italien là.
On peut mettre. Il y a Sarri qui est pas mal, mais on peut mettre. On l'a cité tout à l'heure. Le Milan de. Oh là là, mon cerveau qui marche plus. Aidez-moi. J'ai Sarri qui me bloque le cerveau. Le grand Milan de. Bon, ça revient pas. Pas Ancelotti, non. Ouais, j'ai oublié. Ça ressemble à Sarri sûrement, c'est pour ça que ça me bloque la tête. Non, le coach. Flop 5 pour Lierche, Rudy Garcia, menteur manipulateur. Ça, complètement d'accord. Domenech, Puel, Mota, Fernando Santos. C'est vrai que Fernando Santos, j'avoue que j'aime pas du tout non plus. Mota, c'est chaud, quoi. Le mec, il a pas entraîné encore. Saki, merci, Caps. C'est ça, Saki. Saki, là, tu peux mettre dans les grands. Il a révolutionné un peu le football, quoi. Ancelotti en top, Van Gaal, Saki. Ouais. On peut faire un spécial gardien. Pas forcément 5, mais le gardien, le ou les gardiens qui vous ont fait kiffer dans le foot. Ça peut être drôle aussi. Mandanda, j'ai kiffé un moment, franchement. Après, ça a peut-être duré trop longtemps et il y a eu des hauts et des bas. Mais j'ai kiffé quand il était jeune, qu'il arrive, c'est un peu la surprise. Barthez. Barthez, j'ai kiffé. Marseille, tu me dis Bats. Non, il n'y a pas d'émission, Ced. C'est pour ça que je fais un petit débat fac spécial. C'est la trêve, là. On fera peut-être une émission lundi, on verra. Rapace, tu me dis Oliver Kahn. C'est un mur. Qu'est-ce que j'ai kiffé, moi, comme gardien? Barthez, c'est sûr. Mandanda, quand il arrive à l'OM, moi aussi, c'est sûr. Ah, le Schmeichel de Manchester United, c'était pas mal quand même. Poétique, toi, tu me dis Jean-Luc Ettori. Lauriade, Olmeta, c'était un fou. Joseph Antoine Bell, Barthez Lama pour Furia Loco. LBC, tu me dis qu'est-ce que tu penses du jeu de proposé par Xavi au Barça? Est-ce que c'est ce dont tu attendais de lui dans sa proposition de jeu en tant qu'entraîneur? Bah, j'avoue que je regarde un peu moins qu'avant le Barça. Avant, je regardais beaucoup, maintenant, je regarde de temps en temps. De ce que j'ai vu, c'est vrai que c'est pas fou, quoi. C'est pas ce que j'imaginais. Je m'attendais à. Forcément, vu le joueur que c'était, on s'attendait à un jeu qui ressemble au joueur, mais c'est plus pragmatique. C'est pas non plus défensif, mais c'est plus pragmatique. Il a des côtés Deschamps dans sa façon d'entraîner. Donc, ouais, Xavi, je suis pas hyper emballé par ce qu'il propose. Est-ce que c'est la première étape de son projet? On verra. Elia, tu dis Rougneux, meilleur de tous les temps. Pas du tout objectif. Non, mais c'est ça. Mais c'est le but en même temps, Elia. C'est le but de ne pas être objectif. Là, c'est pas objectif, c'est que du ressenti perso. C'est des joueurs ou des trucs qui nous ont fait kiffer. Donc là, le gardien, c'est des gardiens qui nous ont touchés. Comme Jorge Campos, le gardien qui devenait numéro 9, Lauriade. Ouais, ça aussi, c'est ce genre d'histoire, c'est kiffant, quoi. Lire, tu dis Barthez, Buffon, Van der Sar, Schmeichel, Casillas, Baia. Oh, Baia, Casillas. Oh, je dis pas que c'est des mauvais gardiens, hein, pas du tout, mais j'aimais pas du tout. Van der Sar non plus, moi j'ai jamais aimé. Buffon, ouais, respect Buffon. Même pareil, le passage à Paris, moi ça me gâche l'image que j'ai de lui, quoi. Barthez, Schmeichel, Martini. Barthez, Köpke. J'aimais bien Köpke aussi. Mandanda. Pareil, pas fan de Casillas. Iguita, ah oui, c'est le coup du scorpion. Ouais. Buffon, il y avait aussi Chilavert quand même, sacré gardien. Casillas, Lama, Chilavert, Buffon. Eh ouais, Chilavert, Caps, je suis d'accord avec toi. Top 5 pour Master, Barthez, Mandanda, Seth, Zoff. Putain, Zoff, tu vas chercher loin. Van der Sar, Barthez, Mandanda. Taffarel, putain, Taffarel, moi j'aimais pas. Chilton, ouais, tu sors des noms, Iquito, Casillas, moi j'ai. Olmeta, c'est sorti à l'arrache. Ouais, tu vois, ça c'est un kiff. Talk Tonight. C'est des souvenirs que t'as. Simon d'Arsenal, alors je l'aimais pas lui avec sa tête de moustachu. Allez, dans les gardiens que vous avez détestés. Bon, déjà direct, Lopez de Lyon. Moi je le mets parce qu'on le mettait tout à l'heure dans les mecs qu'on aimait pas dans les mecs qu'on aimait pas. Des gardiens qui m'ont énervé, je mets Lopez de Lyon direct. Direct, je le mets. Il y avait quand même eu des gardiens du PSG aussi qui étaient particulièrement énervants.
Landreau au PSG, j'aimais pas du tout. Coupé, ouais, mais plutôt le remplaçant de Coupé là, qui est en train d'avoir des gardiens, là, qui est horrible, qui fait que parler tout le temps là. Comment il s'appelle? La doublure de Coupé là. Vercoutre, merci Master. Putain, alors lui, moi je le mets direct. Vercoutre, insupportable. Ryu, non, ça m'a pas suffisamment marqué. En fait, c'est des gardiens qui te marquent, quoi. Des gardiens que t'aimes pas parce qu'ils te marquent. Qui c'est que j'aimais pas? Ouais, tu peux le mettre là, Good Day, Oliver Kahn, il avait un côté très énervant, je suis d'accord. C'est vrai, Talk Tonight. Il a payé. Ouais, Roy, on en a déjà parlé, ouais, pour les. Ça, c'est plutôt le kiff, je pense, Higuita, mais. Qui c'est que j'aimais pas? Il n'y a pas des gardiens qu'on avait rencontrés en Coupe d'Europe ou un gardien qui restait longtemps dans un club et qui nous rendait fous, là? Comment il s'appelait celui de Toulouse, là, le chauve? C'est le premier qui nous fait en virage quand on s'est mis à chanter la chanson Ta femme est juste devant nous. Il s'est mis à danser, on l'a regardé. Voilà, ce fou, il danse, du coup, on a arrêté de chanter. C'est la première fois que je voyais ça. De Toulouse? Revo? Lama, il m'énervait, Lauriade. Ouais, Lama, j'ai pas d'animosité contre Lama. Revo, ouais, Revo. Letizy, Landreau, Lopez avec un S, attention, écho. Sirigu, ouais, même Sirigu, je m'en fous en fait. J'aime pas trop Donnarumma, je suis pas hyper fan, mais je le déteste pas. Mais qui c'est que j'ai. Ça, j'arrive pas à en avoir vraiment un, mis à part Lopez qui a vraiment une tête à claque. Un gardien vraiment qui rend fou, j'ai un peu de mal quand même, c'est plus difficile. Master, toutes ces bats avec qui t'avais du mal, c'est vrai. On peut faire aussi le panthéon des buteurs. Ah, Schumacher, ouais, ça c'est historique. Hein, déjà. Le panthéon des buteurs, parce que on a fait le panthéon des joueurs préférés, mais si on fait que les buteurs, ça peut être rigolo aussi. Moi, vu que j'avais mis Romario, je le remets direct. Du coup, je mets Ronaldo aussi. Des attaquants purs, hein. Ouais, vraiment attaquants. Ouais, pas fan aussi de Lloris, gros Judas, tout d'accord avec toi, mais bon, je me suis habitué à lui en fait, je pense. Batistuta, je crois que je peux le mettre, Elia. Ouais. Ouais, mais très bon, hein, notre ami Karim Benzema, mais je le mettrai pas moi dans mon top 5. Bah, après, c'est le truc perso, hein. Là, c'est pas que du niveau, hein. C'est les mecs qui t'ont. Je mettrai Luis Suarez aussi, je crois. Je mettrai Luis Suarez et je mettrai peut-être Thierry Henry aussi, il m'a fait kiffer Henry. Après, je mets Drogba, forcément. Drogba m'a fait kiffer aussi. Ah, Baggio, c'est pas un. Ouais, si, Baggio, tu peux le mettre, Lierche. Batistuta, Raoul, Romario, Ronaldo, ouais, t'as du bon. Pelé, Zico. Sonny Anderson. Ah, c'est vrai que Sonny Anderson, j'avais bien aimé, mais c'était tellement. C'était un peu court, quoi. Tu me diras comme Drogba. Bebeto, Batistuta, Tchetchenko. Ouais, super, Tchetchenko. Trezeguet, ah, moi je le trouvais bon, mais c'était pas mon style préféré, un peu trop statique pour moi. Luis Suarez, ce raciste. Ah ouais, bon, après, ça c'est. Ça malheureusement, des cons, il y en a plein. Batigol, Van Basten, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Ah, Vercamp, oui, je l'avais mis dans mon top. Vercamp, je suis obligé de le mettre. Vercamp, Ronaldo, Romario, Drogba, et peut-être Henry, ouais, des mecs qui m'ont vraiment fait le plus kiffer. Salut, Don Sunshine, bienvenue. On fait le top 5 des attaquants qui t'ont fait le plus kiffer dans le football. Pas forcément des meilleurs, mais ceux qui t'ont fait kiffer. Ah, Inzaghi, moi, il m'a pas fait kiffer. Je le mettrais dans les attaquants qui m'ont le plus énervé. C'était un tueur, mais il me rendait fou. Hein. Toujours être à moitié hors jeu, là, c'était insupportable. Ah, Neymar et Kicktoo, tu abuses. Déjà, c'est pas un attaquant pur. Mais... JPP, ouais, bah ouais. Insupportable, Inzaghi, je suis d'accord avec toi, petit Clover. J'avais oublié Dugarry, mon pire joueur. C'est vrai que Dugarry, il avait un côté hyper énervant. Rudy Voleur, vrai attaquant.
Ah, tu peux l'avoir kiffé, forcément. C'est ce genre de ressenti. Effectivement, y a des mecs qui t'ont marqué à un moment donné. Pur attaquant. C'est vrai que Papin à l'époque. Bochic aussi. Henri, Drogba, Niang. Bah déjà, ouais, là, t'es sur du. T'es sur du. Après, on a élargi. T'as capté. On a élargi. C'est pas que des joueurs de l'OM. Hein. Trezeguet, j'adore. Ouais, Elia, moi, j'ai Trezeguet, je suis moins fan. Super joueur, mais il m'a pas fait rêver, quoi. Forlan, ouais, Forlan, il avait un truc. David Villa, Barça. Zamorano, l'hélicoptère. Francky. Mon préféré, Juju Rémy, en attaque dans les années 2000. Henri, il est dans les années 2000, mais Vercamp aussi. Je pense, ça passe. Drogba, ouais, Drogba, il m'a fait kiffer. Zola. Ah, c'est original, ça. Mbappé, même s'il est à Paris. Ouais, non, moi, Mbappé, super joueur, hein, mais je n'accroche pas. C'est pas un mec qui me fait kiffer, quoi. Taxo, tu me dis, Longoria et Marcelino ne sont-ils pas en train de complètement sortir de la mentalité de l'OM? Car désolé, je reviens sur les matchs contre Metz et Nantes, où on joue en contre bloc bas, sans aucune combinaison offensive. Doit-on s'en inquiéter? Sommes-nous en train de perdre notre identité de jeu qu'on avait avec Tudor? Ben, en fait, je sais pas si on perd l'identité de jeu qu'on a avec Tudor. Enfin, on la perd, c'est sûr, mais en fait, chaque année, tu changes de coach, donc tu changes d'identité de jeu. Même, on se souvient, Sampaoli, on lui a reproché de trop jouer à la baballe et de ne pas avoir un jeu assez direct. Tudor, c'était pressing, jeu ultra direct, gros pressing, grosse activité, machin. Donc, je pense que c'est ce qui correspondait le mieux à l'OM. Et là, pour l'instant, parce que moi, je pense pas que ce soit forcément définitif, c'est vrai que tu as un jeu un peu attentiste, une équipe un peu trop gentille, qui se laisse un peu vivre. Après, ils ont joué que des équipes de merde, entre guillemets. C'est pas gentil ce que je dis, mais des équipes moyennes, on va dire, des équipes sans trop d'ambition. Je pense que vu le calendrier qui nous attend, ils vont pas pouvoir jouer comme ça longtemps. Donc on va voir. Fernando Torres à Liverpool, c'était quelqu'un. Ah tu vois, mais ça c'est ça Cazorla. C'est ce genre de truc. C'est des choses que t'as ressenti. Il y a des moments où des joueurs dans des clubs, tu les as. Waouh, ils t'ont fait. Du coup, tu te retrouvais à regarder un club qui avant, c'était un club que t'aimais pas, que t'aimais sans plus, mais tu te retrouves à regarder le club parce que ce joueur-là, il te fait aimer, quoi. Ça, c'est ça le délire. Eto'o était kiffant, je suis d'accord avec toi. Eto'o aussi, il m'a fait kiffer. Stoïkov, Gignac, Kohler à Dortmund, c'était fou. Ouais, après, moi, le style, par contre, ça m'a jamais emballé, quoi. Robben, me dit Gros Judas. Angel, toi tu reviens un peu sur l'OM, tu dis il n'y a pas de leader à l'OM, on va pas aller loin. Bah, c'est ce qu'on disait. C'est sûr que quand tu vires Payet, Sanchez, Kolasinac, Guendouzi, t'enlèves des mecs avec du caractère. Donc est-ce qu'il y a des mecs avec du caractère dans ce nouvel effectif? Est-ce que c'est pas trop des gentils joueurs à l'image de Veretout, Rongier et même Gigot? Je parle pas sur le terrain, c'est des mecs qui peuvent envoyer, mais est-ce que c'est pas ils sont pas un peu gentils? C'est la question qu'on peut se poser. Anaka, Chelsea, c'était pas mal, associé à Drogba. Ribéry était fou aussi. Ah, Ribéry, c'était un taré, il nous a fait rigoler quand même. Laudrup, super joueur, je suis d'accord avec toi, Caps. Franchement, ouais, Laudrup, moi, j'ai bien aimé aussi. Roger Milla, 42 ans, qui marque en Coupe du Monde. Beau moment, c'est vrai. Salomon Kalou était pas mal, ouais. Moins emballé, correct, hein, mais il m'a pas fait rêver. Adriano, dans son prime. Ouais, ça peut être des coups de cœur, parce que c'était court. Ravanelli, ouais, Ravanelli avec l'OM, moi aussi, j'ai kiffé. Taxo, tu dis notre ADN, droit au but. On fait peur à domicile. Tac la carotide. Aujourd'hui, les équipes de Ligue 1 viennent au Vélodrome pour faire le match de leur saison. Alors qu'avant, les adversaires redoutaient de venir jouer au Vélodrome. Ah ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr que le Vélodrome, c'est plus ce que c'était. Et ça, c'est un des objectifs importants. Le club doit. Ne serait-ce que dans l'attitude de l'équipe, si tu marques, tu t'arrêtes pas de jouer. Tu dois lui rouler dessus, quoi. Angel Demon, Litmanen. Très intéressant, Litmanen, sympa. Marseille, tu dis Lassana Diarra, le mercenaire. Pourquoi tu parles de quoi là? Don Sunshine, tu dis je continue à penser qu'on a un bel effectif
et que notre marge de progression ne peut aller qu'en augmentant, à condition que Marcelino ne reste pas enfermé dans son 4-4-2 dégueulasse. Ouais, alors est-ce que c'est que le 4-4-2? Est-ce que c'est pas que les attitudes? Quand tu vois que dans le 4-4-2, c'est presque un 4-2-4 quand t'as la balle, et que les 4 de devant, c'est 4 nouveaux, tu vois bien qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble pour l'instant. Je pense que ça peut que s'améliorer, on verra. Pagistral, Makai, Cissé, Wea, pff, que des beaux noms les gars. Bergkamp, duo Pagis-Niang. C'est vrai, Eko, moi c'est vrai que j'ai un peu peur de Marcelino. Maintenant je lui laisse encore un peu de temps, mais c'est vrai que pour l'instant je suis un peu déçu. Ça aurait dû déjà ressembler à quelque chose et pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Et mon vieil quoi. Ouais, il n'y a plus de Ravanelli, je suis d'accord avec toi, Rapace. Ou de Drogba, un des mecs qui va pas être un leader parce que c'est un jeune, etc. Mais qui a un état d'esprit cette saison qui donne envie de le suivre, c'est Vitinha quand même. Alors, je dis pas qu'il casse tout en termes de stats, etc. Mais dans l'état d'esprit, le regard du mec, ce qu'il fait sur le terrain, l'énergie qu'il met, ça c'est pas mal. Alors c'est pas un Sanchez qui va avoir le respect du groupe, qui va tirer tout le monde vers le haut. Je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que Vitinha, j'aime bien l'état d'esprit qu'il a mis dans son début de saison. Ce regard noir, cette envie de tout casser, ça donne envie. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, Angel, ça fait un peu peur parce que c'est le jeune qui. Après, il y a d'autres mecs comme Aubameyang qui a plus d'expérience et qui doivent un peu s'affirmer, même si Aubameyang, il n'a pas trop le costume d'un leader. Elia, tu dis, moi, je vais lui laisser encore un peu de temps à Marcelino. J'attends mi-octobre pour en faire un premier bilan partiel. En fait, je pense qu'on pourra vraiment faire un premier bilan partiel, comme tu dis, Elia, à la prochaine trêve internationale. Bon, je crois que c'est ça, c'est mi-octobre, hein, t'as raison. Quand on aura passé les premiers matchs de Ligue Europa, qu'on aura joué Paris, etc., là, on pourra vraiment faire un petit constat. Tu crois, Gaja, Klose, un leader? Je sais pas. Je trouve pas. J'irai pas jusqu'à El Rulio qui dit Klose, il a un charisme d'huître. J'irai pas jusque-là, mais je pense pas que ça soit vraiment un leader. Là, les leaders pour l'instant, c'est Rongier, c'est Gigot. Gigot, il est timide, c'est plus un leader de terrain, peut-être Mbemba un peu. Après, le reste, il va falloir que ça se renouvelle. Est-ce que Kondogbia peut avoir un rôle de leader? J'ai un doute là-dessus. Je vois pas les mecs comme Sarr, comme Ndiaye. Ou comme Correa, même Aubameyang. Mais si je dois mettre une pièce sur une des recrues, je mettrais peut-être une pièce sur Kondogbia. J'espère qu'il va un peu être un peu le boss dans cette équipe. Oui, Milky, ça fait un peu peur, Milky, cette année. Pour l'instant, tu te fais éliminer de la C1, tu perds 4 points bêtement face à des équipes très très moyennes. Mais tu t'es pas largué en championnat, vaut mieux être dans notre position que dans celle de Lyon pour l'instant, clairement. Mais oui, ça fait un peu flipper. Ouais. C'est bizarrement fait ce calendrier de Ligue 1, de nous faire déplacer à Paris, puis ensuite à Monaco. À la suite, c'est dur. Ouais, ça fait un sacré enchaînement. Mais bon, c'est aussi dans ces moments un peu où l'adversité elle est quand même beaucoup plus forte que tu vas devoir un peu te réveiller, quoi. Parce que là, on va regarder quand même le calendrier un petit peu. Là, c'est la trêve. On va repartir avec Toulouse, qui reste quand même un club de niveau accessible pour nous de base. Je ne dis pas que l'OM va s'imposer, hein. Juste que sur le papier, Toulouse, tu dois gagner, quoi. Y a pas. Donc tu commences par réception de Toulouse dimanche, le dimanche à 17h. Après, tu vas commencer avec le déplacement à l'Ajax. Là, c'est chaud. Premier gros test, premier gros match là-bas, aux Pays-Bas. Tu enchaînes avec l'enchaînement déplacement au PSG. PSG cette année, attention. Tu enchaînes avec réception de Brighton. Là, tu as un promu plutôt en forme, Le Havre, qui fait un bon début de saison. Tu te déplaces à Nice. Tu reçois l'AEK Athènes. Ouais, là je suis parti trop loin. Et tu reçois Lyon. Mais en fait non, ça s'arrête à Nice avant la prochaine trêve. C'est ça? Non, ça s'arrête au Havre. Je me suis vraiment enflammé. Donc, je récapitule. Toulouse, Ajax, Paris, Brighton, Hack.
Havre, le Havre. Franchement, là, ça serait bien de prendre les points contre le Havre et Toulouse à domicile, 6 points. Après, t'as le match contre le PSG à Paris, bon, on verra. Et t'as les deux matchs, deux premiers matchs de Ligue Europa. Donc là, t'as un bon défi. Hein. Bon défi, et après, on pourra faire un petit point. Et après, comme je disais, t'enchaîneras avec du Nice, Lyon, Athènes, Lille, AEK encore, le retour. T'as Lens, Strasbourg. Ouais, ça va enchaîner. Ça va enchaîner avec la Coupe d'Europe. Toulouse gagne impératif, je suis d'accord avec toi, Alia. Il manque surtout un leader technique, style Payet. Ouais, je pense que tu as des joueurs techniquement, style Unai, qui peuvent faire des choses. Encore faut-il qu'ils soient sur le banc, quoi. Master Do, tu dis, Jean-Charles a raison, on doit gagner des matchs juste au regard dans le couloir avant de rentrer sur la pelouse. Bah, je sais pas si tu gagnes le match directement, mais déjà, c'est sûr que tu dois pas être, tu dois faire sentir que là, la soirée, elle va pas être agréable. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe encore comme ça? Peut-être, dans certains grands clubs. La trêve va faire du bien. Je pense, Juju. Ça dépend, parce que tu as beaucoup d'internationaux qui vont voyager, genre Lodi au Brésil, ça va pas être de tout repos. Elia, tu dis dans cette période que l'on pourra apprécier, c'est dans cette période que l'on pourra apprécier le travail du coach et la cohésion de l'équipe dans son système. Ouais. Juju Rémy, tu dis Unai devrait être sérieux, devrait être titulaire sérieux. Ouais, mais le problème c'est le système. Là par contre, le système, pour en parler, parce que Unai dans le système, là en 4-4-2, pour y trouver une place, tu peux le mettre dans le milieu à deux, ou comme soutien de l'attaquant. Mais il faut qu'il soit axial, ce mec. Gros jeu là, tu dis Correa, c'est un 10, voire un 9,5, c'est pas un allié. Pour ça qu'il était pas fou. Ouais, je sais pas, on verra. Hein, mais au-delà du placement, moi, ce que j'ai pas aimé dans le premier match de Correa, c'est l'attitude. Et ça, même si t'es pas à ton poste, tu te bouges le cul, quoi. Jérémy, toi, tu passerais en 4-3-3 ou 4-4-2 losange. Ouais. Après, là, t'as quand même nettoyé ton effectif pour le construire avec deux attaquants. Donc oui, le 4-4-2, ouais. 4-4-2 losange, c'est peut-être plus adapté. Ouais. Il te manque quand même un joueur au milieu de terrain maintenant que t'as vendu Guendouzi. Le retour de Gueye pourra apporter quelque chose peut-être. Taxo, tu dis le retour de Luis Enrique, vous en pensez quoi? Une conséquence d'un échec au recrutement? Alors c'est pas sûr qu'il revienne, Taxolo. Longoria a encore expliqué en conférence de presse. Ça dépendra vraiment de son temps de jeu. Donc le nombre de minutes. Il y a un nombre de minutes défini. Et s'il dépasse le nombre de minutes, bam, option d'achat obligatoire, 8 millions d'euros. Donc c'est pas sûr. Peut-être qu'il restera à Botafogo. Ça dépend s'il va beaucoup jouer jusqu'à la fin. Il joue pas beaucoup depuis qu'il y est, donc il y a des chances qu'il revienne, mais c'est pas sûr. Salut à tous. La trêve ne va même pas permettre de travailler un système vu que les internationaux sont partis. Eh oui, Barce, je suis un peu d'accord avec toi. Il manque quand même pas mal de monde. Côté international français, on est tranquille. Hein. Top Tonight, tu dis. Oui, Correa, gros problème d'attitude sur son premier match. Même si tu n'es pas à la place, tu dois te mettre le ventre à terre. Je suis d'accord avec toi. Même si tu es fatigué, que tu joues alors que t'as fait que quelques entraînements, c'est l'attitude qui compte. Tu vas pas juger le reste. Les automatismes, c'est normal que t'en aies pas. Jérémy, Gueye va être affûté à son retour, j'espère. Eh oui. Alors le problème, c'est qu'il va être. S'il est très fort, ça va être très frustrant de le voir partir sûrement à la CAN en janvier, ça c'est sûr. C'est un peu le problème, on va voir. De toute façon, il y a des matchs là, de qualif pour la CAN. On va savoir. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains cette saison. Et on va savoir qui peut partir ou pas. Je pense pas que tous vont se qualifier. Mais bon, le Sénégal, t'as quand même Gueye, Sarr, Ndiaye. Ça fait quand même trois joueurs possiblement importants. Allez, 16h25. Je réponds encore à quelques questions. Et je vous laisserai. Pour cette fin de semaine. Il y a pas de match, il y a des matchs un peu internationaux en foot. Pour ceux qui aiment le rugby, je vous rappelle qu'il y a quand même un petit France All Blacks demain soir que je vais pas rater. Donc il y a un gros gros week-end qui se profile. Ouais, on sera un peu fixé dans le week-end. Jérémy, il faut que je regarde le détail. On fera un article demain sur Football Club de Marseille pour voir un petit peu ce détail
C'est aujourd'hui Ikikito, le Ghana Centrafrique. Il y a les espoirs à 18h30 sur l'équipe. Ah oui, ok, oui, il y a les espoirs d'Henri. Ok, sympa, j'avais pas capté ça. Après, ouais, ça peut me laisser, je peux me laisser tenter pour voir ce que Henri met en place. Ça peut être sympa. Ouais. On verra si il replace les joueurs comme Mendy à gauche. Merci Elia, merci d'être venu, merci à toutes et à tous d'être venus et puis d'avoir participé à ce débat fac un peu spécial. On a un peu déliré sur notre panthéon de joueurs, nos petits délires, des joueurs qui nous ont fait kiffer le football ou qui nous ont un peu énervé, c'était sympa. On se retrouve quand? Ben on se retrouve peut-être lundi, je sais pas. On va voir avec Ben et Ryan, qui sera rentré de vacances, si on fait un débat foot Marseille lundi, mais peut-être. On voit ça, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Passez un bon week-end. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine. On se retrouve mardi 15h30 pour un autre débat fac, ça c'est sûr. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!